les amis, oh, konnichiwa. Et oui, c'est dingue. Regardez, là, il y a même Michael. On est en direction du temple Todaiji. On est vraiment à Nara et peut-être qu'on aura le droit au pass express aujourd'hui pour rentrer dans le temple. Voilà. Est-ce que vous avez des choses à dire? Je veux dormir. Ok, très bien. C'est très dynamique. On est tous claqués, et c'est cool. On est à mi-parcours, on est à mi-chemin quoi, du voyage. On est un peu plus même, on est au jour 14. Jour 14. Il reste une dizaine de jours. Voilà, voilà. Donc aujourd'hui, Nara! Regarde avec avec des dents. Des dents. Ici, bah, les dents sont roux. Voilà, et ils réclament pas mal, donc bah, je trouve que c'est des roudins. Des roudins. Et d'un, et de deux, et de trois, et de quatre. Arigato, 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 arigato. Tu veux? On partage? Attends, t'as un radin là. T'as un radin.
bien, petit débrief de la journée. Incroyable. Nous avons réussi à aller à Nala. Sans problème de train. Mais il a trop d'énergie. De toi. C'est ça. C'est ça. Et c'est grave. C'était dingue. Donc on a vu des dents. Ensuite on a été au temple de la vie. Ensuite on est rentré. Et voilà. Bonne journée à tous. C'était wow. Trop cool. Comme d'ici, c'est là. Le mec est sous LSD. Tout à fait. Tout à fait. Qu'est-ce que... Voilà. C'est con voilà. Tout ça. Bon, on va tout raconter. Voilà. Comme quoi, hein. Les plus courtes sont les c'est meilleures. C'est con tout ça. C'est con tout ça. C'est con tout ça. Et donc la blague de Mathieu, c'est sur un... Alors, bah, on va commencer par la blague. On commence par la blague, on change les habitudes pour une fois. Allez. Exactement. Comment s'appelle un petit cheval habillé de noir avec des shurikens? Il a pris la version pour un. Eh oui. Un nin japonais, je sais pas d'où ça me vient cette inspiration. Ah non, je ne sais pas du tout d'où ça me vient. Ouais, non, moi elle était complètement différente, elle était bien mieux. Ouais. Comment on appelle. Vu qu'on est à Nara, la deuxième blague de Mathieu. Et oui, quand... Comment on appelle les habitants de Nara? Alors on la refait sans rire. Comment appelle-t-on les habitants de Nara? Hein, Mathieu? Un arabe, je crois. Bravo, voilà, super. C'est assumé. Festival de blagues. C'est assumé. Je vais vous laisser. C'est pas horrible ça. Nara, c'était quand même très beau. Oui. Très sympa, très joli. 4 heures comme prévu. Ouais. Oui. On peut doubler en fait. Plus le déj, plus les JR Pass, plus le train. Le transport. On est resté 4 heures sur place. Dans Nara, on est resté 4 heures, Mickaël. Ouais, c'est ça. Possible. Ouais. Pas trop de problèmes de train pour y aller. Perche, pour revenir pour un petit peu. Pour revenir un peu plus cher. Ouais. Et. C'était bien, il y avait plein de bains, on a pu leur faire des câlins. Ou leur a donné des crackers. Des crackers. Crackers oui, de Belin. Pour les amoureux des animaux. Ou de lui. Crackers qu'on doit acheter à 150e sur place. 150e, c'est moins d'un euro 50. Je les ai goûtés, c'est pas terrible. Non, ça n'a pas de goût en fait. Enfin, voilà. Si ça a le goût de soda. On est deux en avoir mangé. Tu peux en nourrir des Somaliens avec ça. Et vous pouvez acheter vos propres crackers. Pour en acheter là-bas. Exactement. Moi, j'aimerais finir par deux choses. Première information, on a compté les abonnés comme prévu hier. C'est bien mes amis qui sont majoritairement abonnés de la chaîne et pas les amis de Mathieu comme ils le prétendent. Mais what the fuck. Merci les copains. Mais n'importe quoi. Les goûts, quoi. Et on en a que 8 sur les 16, qu'il y en a d'autres qui planquent. Bah, sur les 8, c'est moi qui gagne. Ouais, voilà. C'est parce que moi, j'ai des copains confidentiels. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Bah, je sais plus, je reste pas. Voilà, je suis bah, demain. Non, je sais. Pour dire la vérité, Mathieu a fait une vidéo, un tuto sur les toilettes japonaises. Il sait pas trop s'il veut la publier, donc j'aimerais bien que ce soit le public qui décide. En même temps, ils l'ont pas vu, donc. Bah non, mais... Va-vous la projection. Le public peut réclamer... Souhaitez-vous une vidéo sur les toilettes à la japonaise? Elle est déjà prête, donc elle peut nous dire si vous voulez qu'elle soit la vidéo. Si on a 10 commentaires sous cette vidéo qui disent oui, on poste la vidéo. Pas pipi pour vous. Dites oui. Je me suis pas engagée à ça du tout, donc c'est Mickaël. Ah non, il fallait trop tard. C'est bon? J'ai pas dit que je serais pipi. Si, démonstration. Non. C'est Mathieu qui l'a fait. J'ai appris un nouveau mot aujourd'hui, donc. Démonstration. Ça fait aujourd'hui, ça veut dire en fait. Par l'expérience. Démonstration par l'expérience. Il peut y avoir des démonstrations théoriques. Totalement. Mais on peut là, on part complètement ailleurs. Voilà. Ça commence à être long pour rien. Juste un truc, les dents, moi, ils sont un peu quand même. Comment dire, ouais, affamés. Non, ils sont pas affamés, ils ont pas faim du tout, ils bouffent pas. Ils bouffent, ouais, c'est ça. Et puis, ils se jettent sur nous en fait. Ils ont des pattes un peu chétives. On s'est fait assaillir par des dents. Et quand ils arrivent à 4-5, tout à fait. Ne pas reculer. Surtout, ouais. Jamais dans la vie, de toute façon, ça marche aussi. Faut affronter les dents. Tu m'as vu le dent, tu m'as vu. Il faut surtout parler du fait qu'il y a un très joli Bouddha de plusieurs tonnes. Pour une fois, il dit pas des conneries. Lui. C'est ça. Ça fait drôle, hein. Dans un monument le plus grand du monde en bois. Ouais. Genre le plus grand en bois. La plus grande structure en bois. En bois du monde, le plus grand. Voilà. Et le Bouddha structure. Est dedans, donc il faut forcément rentrer. C'était ce qui était écrit dans 130 les. 130 kg d'or. 437 tonnes. Surtout qu'ils ont fait un ange de Noé. C'est quand même assez gros. Ouais. C'est superbe. Et si vous avez le courage, passez dans le petit trou. Ceux qui iront me comprendre. Tout à fait. De toute façon, le petit trou, c'était avant dans la vidéo. T'as pris des photos? J'ai pris des vidéos. C'est bien. Voilà, et alors, mon moi du futur, surtout, mais pas un truc auquel tu tiens trop quand tu prends les dents. Parce que tu te fais laver dessus et morver dessus. Et les dents, on en revoit demain, à Miyajima. Parce que normalement, demain, nous sommes à Miyajima, si tout se passe bien. Avec un passage par Hiroshima. Avec un passage par Hiroshima. Les dents à Miyajima?
Il y a des dents, ouais. Il faut aussi nous là, on est en train de discuter. Là, mais oui, Mickaël, tu sais pas bien. Plein de cervidés à Miyajima, ça va être trop cool. Ouais, on dit au revoir. Et on teste la première classe grâce au Green Pass. Ouais. Non. Avec le train rapide, mais qui n'est pas un Nozomi. Le Green Pass, c'est le JR Pass qui nous permet pendant une semaine de prendre tous les trains qu'on veut. Sauf les Nozomi et Nozomi. Mais on discute pas. Non, on donne une information. Comme on dit ici, voilà. Sayonara. Arigato.